Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, intruibo ad altare Dei. Deum qualifica juventutem meam. Judicam et Deus adicione causa meam de gente non sancta ab hominico dolo sue ruemi. Via tu es Deus fortitudo mea, quare me repulisti, quare tristi sincerudum affligit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam ipsam et eduxunt et aduxunt in montem sanctum tum et in tabernacula tua. Ibo ad altare Dei, ad Deum qualifica juventutem mea. Confitebat vincidera Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea et quare conturbas me. Spera in Deo, quoniam ad confitevorili, salutare multus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intro ibo ad altare Dei. Ad Deum qualifica juventutem mea. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Mi fecit caelum et terra. Confiteo Deo omnipotenti Beate Mariae semper Virgini Beatum, Micheli Arcangelo Beatum in Baptiste. Sanctis Apostolis Petro et Paolo in vos sanctis et vobis fratres, que pecavim miscogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Mi Deo precor Beata Mariam semper Virginem Verum, Michelem Arcangelum Beatum in Baptista. Sanctus Apostolos Petro et Paolo in sanctus et vos fratres, ora repromiat Dominum Deum nostrum. Miserator tui, omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgine, Beato Micheli Arcangelo, Beato Ioni Battisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis, et Tibi Pater, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor Beata Mariam semper Virginem, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Battista, Santos Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Sanctos, et te Pater, orare pro me ad Dominum Deo nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam et solutionem et remissionem peccatum nostrum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et lex tua netabitur in te. Ustene nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniam. Dominus obiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Vos justi meditabitur sapientiam et lingua ius oquetur judicium lex Dei eius in corde ipsius, noli emulari in malignantibus neque zela veris facientes iniquitatem. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Vos justi meditabitur sapientiam et lingua ius oquetur judicium lex Dei eius in corde ipsius. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram patris miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus Iesu Christe, cum sancto spiritu in gloria Dei patris. Amen. Dominus obiscum. Et cum spiritu tu. Oremus. Clementissime Deus, qui sanctum silvestrum abatem seculius vanitatem in aperto tumulo pie meditantem, aderemum vocare et preclaris vitae meritis decorare digniatus es, te supplices ex oramus ut eius exemplo terrena despicientes, tuis consortio per fruamur eterno, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Infirmitatem nostram respice omnipotens Deus, et quia pondus propria actionis gravat, beati Petri martiris tui, et quae pontificis intercessio gloriosa nos protegat. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, putecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Libri Sapientiae, dilectus Deo et omnibus, cuius memoria in benedictione est, similem illum fecit in gloria Sanctorum, et magnificavit eum in timore inimicorum, et in verbis suis monstra placavit. Glorificavit illum in conspectu regum, et iusit illicoram populo suo,
et ostenitili gloriam suam, in fide et lenitate ipsius sanctum fecitilum, et elegiteum ex omni carne, audivite nimeum et vocem ipsius, et induxit illum in ubem, et deditili coram precepta et legem vitae et discipline. Deo gratias. Domine prevenistium in benictionibus dulcedinis possuist in capiteius coronam de lapide precioso vitam pensitate, et tribuisti e longitudinem dierum in seculum seculi. Alleluia, alleluia. Justus ut palma florebit sic ut cedrus Libani multiplicabitur. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. In illo tempore dixit Petrus ad Iesum, ecce nos reliquimus omnia, et secuti sumus te, quid ergo erit nobis. Iesus autem dixit illis, amendico vobis, quod vos qui secuti estis me in regenerazione, cum sederit filius hominis in sede maestatis sue, sedebitis et vos supersedes duodecim, judicantes duodecim tribus Israel. Et omnis qui reliquerit domum vel fratres, aut sorres, aut patrem, aut matrem, aut uxorem, aut filios, aut agros, propter nomen meum, centuplum accipiet et vitam aeternam possidebit. Claus tibi Christi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, aujourd'hui nous fêtons Saint-Sylvestre, non pas la Saint-Sylvestre telle que nous la connaissons habituellement, mais ce Saint-Sylvestre, moine du XIIIe siècle. Il doit, si l'on peut dire, sa conversion, ou plutôt sa conversion en profondeur, à son assistance à des obsèques d'un parent proche. Et peut-être vous l'avez lu dans chaque missel, car finalement c'est ce qu'il reste vraiment de Saint Sylvestre. Il assiste à ses obsèques et il voit lors de ses obsèques le cadavre de celui que l'on va enterrer bientôt. Et le regardant, probablement en train de commencer sa décomposition, il se fait cette réflexion: ce que je suis, il l'a été, ce qu'il est, je le serai un jour. Je suis vivant et cet homme mort a été un jour vivant comme moi. Il est mort et un jour c'est moi qui serai comme lui, mort et non plus vivant. Cette réflexion lui a fait comprendre l'inanité des choses de cette terre, le sérieux de la vie spirituelle, la nécessité de se donner tout à Dieu pour gagner la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle il quitte tout et décide de rentrer dans les ordres. Mais on est au XIIIe siècle. Et à ce moment de la vie de l'Église, bien sûr, il y a la fondation de tous les grands ordres prêcheurs, mais l'ordre bénédictin, qui est un ordre retiré, est en décadence. Pourquoi en décadence? Parce que, malheureusement, c'est toujours un peu, je dirais, la tentation. Il s'est plus ou moins un peu adapté au monde. Alors, Saint Sylvestre décide de partir et fonde... comme un ordre réformé de l'ordre de Saint-Benoît. Il fait, si vous voulez, une réforme pour revenir à une certaine pureté de la règle bénédictine. Et c'est à ce titre-là qu'il est vénéré comme fondateur d'ordre. La pureté de la vie bénédictine, c'est tout simplement la pureté des conseils évangéliques, la vie des trois vœux vécue dans ce qu'il y a de plus absolu. Le renoncement au bien de ce monde par le vœu de pauvreté, le renoncement au bien de notre corps par le vœu de chasteté, le renoncement au bien de notre volonté, à notre bon vouloir par le vœu d'obéissance, qui est certainement le plus difficile parce qu'il s'attaque à ce qu'il y a en nous de plus intime. Mais finalement, la vie religieuse, bien vécue selon l'esprit de ces trois vœux, et même selon ces trois vœux, c'est la vie qui nous plonge le plus en Dieu. C'est la vie qui nous sanctifie le mieux. C'est la vie qui nous fait non seulement plonger en Dieu, mais qui fait que Dieu se donne davantage à nous. Parce que
Dieu se donne à nous dans la mesure où nous nous renonçons à nous-mêmes. Et la vie, selon les trois vœux, de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, est une vie de renoncement à soi qui nous permet de nous attacher le plus possible à Dieu. Voyez-vous, lorsque l'on baptise un enfant, on lui demande de renoncer à Satan, à ses œuvres et au monde, et de s'attacher à Jésus-Christ. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et voyez, si Saint Sylvestre a voulu refonder, si l'on peut dire, en tout cas réformer l'ordre bénédictin, c'est parce que la décadence de l'ordre bénédictin, c'était finalement un essai de vivre les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, tout en essayant de s'accommoder avec les choses du monde. Aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle le libéralisme, qui est finalement le vecteur commun de tout ce qu'il y a de moderniste dans l'Église. La solution à la crise que nous vivons aujourd'hui, mes bien chers frères, finalement, je dirais la solution finale de ce virus, elle réside dans la vie profondément religieuse, vécue selon les trois vœux. À chaque moment de crise dans l'Église, il y a eu ce désir, cette soif de retrouver l'essence de la vie spirituelle par le don total de soi à Dieu dans les monastères. Grâce à Dieu, si nous fêtons aujourd'hui nos 50 ans, si la fraternité fête, pardon, cette année ses 50 ans, elle se réjouit aussi de ce que nombre de congrégations religieuses l'ont suivi, ou plutôt vivent avec elle dans la fidélité à la foi. Il existe encore des bénédictins, des dominicains, des franciscains, des capucins qui sont catholiques. Et c'est une joie de savoir que la vie religieuse vécue selon les trois vœux existe encore. Elle est comme vraiment le fondement du renouveau dans toute l'Église, la perfection apportée par laquelle Dieu se donne pleinement aux âmes et rayonne à travers ses âmes religieuses. A l'inverse, mes bien chers frères, la mondanité ou le libéralisme, c'est-à-dire cette espèce d'accommodement entre le monde et l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, ne mène nulle part. Et regardez comme les évêques aujourd'hui se sont fait rabâcher par le gouvernement. Ils veulent s'adapter au monde, ils veulent s'adapter au gouvernement, ils demandent au gouvernement, pensant faire plaisir. Croyez-vous que le gouvernement leur fera plaisir? Et non, ils leur refusent tout. Ils leur refusent tout, et les évêques crient. Mais ce n'est pas contre le gouvernement qu'ils doivent crier, c'est contre leur propre libéralisme. Alors peut-être, mes bien chers frères, ayons l'espoir que ce virus, ou pseudo-virus, en tout cas cette chose que l'on fait courir au moins dans les journaux, ayons l'espoir que cette chose-là causera non pas la mort de quantité de personnes, mais la mort du libéralisme, la mort de ces évêques infidèles, non sens spirituel, la mort du modernisme, la mort de ces prêtres qui voudraient vivre selon le monde, s'acoquiner avec le gouvernement franc-maçon et qui finalement se font détruire par ceux qu'ils croyaient être leurs amis. Quant à nous, mes bien chers frères, demandons à Saint Sylvestre de vivre le mieux possible et chacun selon notre état, au moins l'esprit des vœux. Esprit de détachement, esprit de sacrifice, esprit de renoncement, esprit d'humilité, esprit de don total de nous à Dieu, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dominus obiscum, et cum spiritu, omnibus. Desiderium anime distribuisti et domine voluntate laborius non frodastium, possuistim capteus coronam de lapide preciosum.
rapport à tes fratresses. Quam ti potente, succipia domino sacrificium de manibus tuis, ad laudem gloria nomini sui, adutatum quoque nostram, tosus covae ecclesi sue sancte. Permia secula seculorum. Amen. Dominus obiscum. Et cum spiritu tuo. Sussu cabra. Habemus atomum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Veredinum et justum est, et cum exaltare nos tibi semper, et unique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens et Deus, per Christum Dominum nostrum. Per quae maiestatem tuam laudanta angeli adorant dominatione est tenum potestates, cedi celumque virtutessa creata seraphim socia et fundatione concedebat. Qui vos et nostra voce sunt aditi beas et peccabo, supplici confessione dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, veni sum cedi et terra gloria tua, hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Nobis cupe peccatoribus,
Père mia secula seculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus monite divina institutione formati audimus dicere, Pater noster que in cielis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a mal. Per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus equitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus equitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus equitolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non smius. Domine non smius. Domine non smius. Confiteor de omnipotenti, beate Marie semper virgini, beato Micheli arcangelo, beato Ioanni Battisti, santis apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, qua peccati nimis cogitazione verbo corpus. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper virgini, beato Michele arcangelo, beato Ioanni Battista. Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos, et te Pater, orare pro me, ad Dominum Deum. Miserere tu veste omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos servitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatum, est sanctibat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Genius executolit peccata mundi. Domine non sum dignus ut interesse tectum meum, sed tantum in verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus ut interesse tectum meum, sed tantum in verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus ut interesse tectum meum, sed tantum in verbo et sanabitur anima mea.
Deliceros et pudens cum constitui Dominus super familiam suam, ut et ilis in tempo et tritici mensuram. Dominus obiscum. Come spirito tuo. Oremus. Divina da per effectis tribue que sumus domine santissi vestia batisa sigilia siti ita inerere ut copiosa mercedem in regno glorie tue cum santis abeamus per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum qui tecum divided regnat in unitate spiritus sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Refeti participationem muneri sacri que sumus domine Deus noster ut cuius exequimur cultum intercedente beato Petro martire tu atque pontifice sentiamus effectum per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum qui tecum divided regnat in unitate spiritus sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum. Et cum spiritu tuo. Ut te missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per sua fata sunt et sine ipsum factum est, nihil quod factum est. In ipso vitae erat et vitae erat lux hominum et lux in tenebre sucet et tenebre eam non comprenderunt. Fuit homo missus ad eo qui numen erat Ioannes, sic venit in testimonium, testimonium per iberet de lune et omnes crederent per illum. Non erat ille lux edu testimonium per iberet de lumine. Erat lux vera qui illuminat omnem omnem venientem in mundum. In mundo erat et nunc spes sunt fatus est et nunc seum non coniovit. In propria venit et suium non receperunt. Quod totem receperunt eum dedit eis potestatem fios Dei fieri, is qui credunt in nomine eius, qui nec sanguinibus, nec osanta de carnis, nec osanta de viris, et ex Deo nati sunt, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Grazie.